Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Alors, un nouveau récit peut-être entendu. La joie maussade, quelque chose ne va pas, dans l'air, comme un vent hurlant. Une tension tranquille, notre peuple est maussade, ils ont l'impression que vous les avez oubliés. Ils attendent de vous que vous fassiez mieux que ça. Bah, non mais juste pour un peu de bouffe, ouais, non mais... Ah bon? Ouais? Ah oui, non mais... Ah mais en même temps c'est à cause de la connerie d'ici. Et puis il fait moche, donc on a moins de production de nourriture. Attendez, les beaux jours vont arriver. Ah oui, le monastère, tiens d'ailleurs. Regardez, on vous fait un beau monastère les gars. Soyez contents, on vous fait un magnifique monastère. C'est la classe quoi. Non? Non, ça... Non, non, bon, bah, dommage. Pas d'accès à la nourriture. Oui. Non, mais ouais, mais... Vous savez, c'est la situation et tout. C'est compliqué. Putain, je vais faire du stockage de gemmes. Il me semble que... Ouais, c'est ça, j'ai quelques gemmes. Parfait, tout ça. Pourquoi j'ai du stockage de fer, ici? Quoi? Ouf. Ah, ils reviennent de la mission avec du... Ouais, super, du bois, de la pierre. Ouais. Quelques outils, pourquoi pas. Un peu d'influence de noblesse. Ah oui, c'est vrai que... Noblessement parlant, je sais pas si ça se dit. Ils nous aiment pas trop. Je crois que ça se voit. Hein. Ils nous détestent même. Non, noblessement. Clergément, je me suis dit. Mais ouais. Ok, un armurier, on va débloquer ça et ça, écoute. Hein. Donc à faire, autant tout débloquer. Là, c'est... Unité sur le rang, non utilisé en... Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Bon. Aucune idée de ce que c'est, mais... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, les beaux jours, ça y est! Les beaux jours arrivent! C'est un soulagement. Bon. Sinon, la mixture de baies. J'en vends quelque part au moins de la mixture de baies. Ah, il y a là, hein. Trois consommés cette semaine. Il n'y a personne qui va à cette taverne. La taverne du Spartiate, elle a pas... Elle a pas beaucoup de succès pour l'instant, pourtant... Ouais, on a de la viande, c'est bien tout ça. On a de la bière. Ah ouais. Comment ça se fait que j'ai de la bière? J'ai même pas fait encore mes champs de houblon. C'est pas mal. Et là, il y avait quoi? Ah oui, un fromager. Oui, c'est vrai qu'on a 50 000... 50 000 prod... Enfin, on a 50 000 laits avec une seule prod, mais... Mais il faut trois fromagers ou deux, je sais plus combien j'en ai. Ah, et c'est le deuxième que je suis en train de faire là. D'ailleurs, qui avance pas. Hein. J'ai des bâtisseurs juste à côté, mais ça avance pas des masses. Je prends des taxes de ça aussi. Hein. Ouais, on taxe bien là. Les bûcherons. Attends, Ah, c'est un transporteur. Je vais voir s'il travaille loin. Loin de chez eux ou pas. 76 mètres. Aux alentours des 80 mètres chacun. C'est bien, c'est bien. Lui, il va m'acheter du marbre. 6. Des vêtements. 35. Ça, il va pas. Ça, il va pas. Et du poisson. Oh oui, il va me prendre 50 poissons. J'aime beaucoup. Là-bas, c'est en train de se construire. Et, hein? Elle était pas terminée celle-là? Alors là, si avec ça le clergé il ne m'aime pas. Je ne comprends pas. Splendeur. J'ai une de ces splendeurs là, de machin. Là, de... Je peux voir un récap?
Ah ouais, le plomb, il reste loin quand même. Il reste très loin. Ouais, mais enfin, j'essaie de faire. Ah bon? J'essaie de faire des constructions, mais ça marche pas forcément tous les jours. Il y a ça que j'essaie de faire, mais. Ah, ça aussi. Pardon. Allez, on va faire un chef-d'œuvre de la fontaine. Allez, regardez. Pardon. Ici, il y avait les miniers pour la pierre. On va changer. Alors, voyons. Excusez-moi, je vais me moucher avant parce que là, c'est la galère. Alors, piédestal nanana, quelles sont les conditions? Coût d'entretien du bâtiment est diminué, ok. Doit faire partie de la construction inclue dans grande salle. Ah. Donc, je peux pas le faire en construction libre. Est-ce que par hasard, ici, j'aurai une grande salle? Oui, j'en ai une. Donc, on va prendre les constructions libres et on va faire ça. Voilà. Comment ça, trop loin? Oh non! Oh, triste. Ah, très triste. Oh, je vais pas le foutre là, quand même. En vrai, de vrai. Oh, tu sais quoi? Vas-y, si, je le fous là. Hein. Attendez, on va le bouger un petit peu. C'est quoi pour faire bouger ça, celui-là? Ouais, allez. C'est quoi? Rien à foutre. Hop. De toute façon, on n'utilise pas la pierre. Voilà. Hop. C'est de l'orbre et du marbre. On va faire du marbre, un matériau noble. Ça m'a coûté une blinde, mais c'est pas bien grave. Enfin, j'y vois rien. Ça, c'est terrible. Hein. J'y vois que dalle. Et on va faire une dame, un monsieur, un je sais pas quoi, un je sais pas quoi. Une dame, un mineur, un pelletier, un ouvrier. Et on va faire une dame à la hache en or. Donc voici tout ce que ça nécessite. Oh la vache. C'est cher. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ultra cher. Il me faut un peu d'or en plus, que je n'ai point. Ok, bon bah construction libre. Attends, je l'ai validé au moins ma construction. Accident de matériaux de construction. Oui, mais non, ça va pas être excellent longtemps. Ok, ici par exemple, bah, je vais stocker des lingots d'or. Hein. Est-ce que j'en achète? Je vais en acheter, je vais en avoir besoin. Lingots d'or, bah. Dans tous les cas, j'en aurais besoin d'une blinde. Donc, acheter. Je crois que je peux. Hein. Oui, je peux en acheter là. Non. Je peux en acheter là. 15! Oh, c'est cher. Eh ben, on va être ruiné. Hein. On va être ruiné pendant un moment, les gars. Ah, on va devoir acheter 1000 pour 1500 d'or d'or. 1500 pièces d'or. 1500 pièces d'or. C'est chiant à dire. Pour 1500 de thunes, voilà.
J'ai cru voir des bâtiments qui ont été construits pendant tout le bazar. Voilà, fromager. Il me faut des roturiers, très bien. Chasseur, eh oui, fromager. Bon, bah, on va prendre des sans-emploi. Félicitations à toi, tu es déjà roturier. Et toi, Benoist, tu vas devenir roturier aussi pour faire du lait, hein. Tout ça pour faire du lait, hein, franchement. Hop là. Tac-tac. Félicitations à vous, vous êtes les nouveaux fromagers. Ah, la taille de cette église, toi. Là là. Là 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 là. C'est quoi, je vais même lui rajouter juste vite fait ça pour. Histoire de dire quoi. Ah, les statues antiques qui rapportent plus. Oh. C'est quoi? Voilà, on va mettre vos statues antiques là, juste devant. Et ça, c'est combien? Ouais, c'est que dalle. Voilà. Oh, le monastère, il est terminé! Allons voir ce magnifique, wonderful, beautiful monastère là. Eh, t'as de la goule ou pas quand même, hein? Voyons voir. Est-ce que ça m'a au moins fait augmenter ma splendeur? Un petit peu, c'est pas non plus. Bon. Ça augmente un petit peu. Heureusement que ça augmente. Bon, et maintenant? Faudrait que j'associe des bâtiments quand même. Je peux pas associer de bâtiments. Je peux rien en faire. C'est triste ça. C'est quand même bien triste, hein. J'ai des bâtiments, je ne peux rien en faire. C'est construction libre. Bon bah je vais devoir agrandir déjà. La vache. On va faire une chapelle, procure de la foi aux moines. Et on va agrandir, on va faire un dortoir, un dortoir des nonnes et un dortoir des moines. Ce sera un monastère mixte. Donc dortoir des moines. Ici, avec vos croix respectives, s'il vous plaît. Hop, une double croix ici. Voilà. Voilà. Ensuite, un dortoir des nonnes. Ici. Pareil, on leur fout les doubles croix. Bah alors. Quel autre bâtiment j'ai besoin? J'ai la chapelle. Le scriptorium. Qui va venir. C'est quoi ça? Oh, stylé! Derrière. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Hop, voilà, on met tout ça. Ça me coûtait une blinde, tout ça, je vous le dis, les gars. Alors, une blinde. Et jardin monastique. Oh.
ici. Hein. Hop, jardin monastique là dans le coin. Avec derrière de quoi produire. Hop, on en fait quelques-uns. Pas déconner. Ah zut, attendez. On va faire ça bien quand même. On va pas faire ça mal, au choix, mais voilà. Hop. Deux. Est-ce que j'ai une place d'en mettre un troisième? Oui. Voilà. Là. Deux. Voilà, alors j'ai un nouvel arrivant, deux nouveaux arrivants, parfait. Voilà. Donc, bah, il n'y a plus qu'à, comme d'hab, il n'y a plus qu'à construire mes amis là. On a, y a pas mal d'agrandissements. Ouais. Là, ça va demander du matos, hein. Alors, on transférera les moines et les nonnes après. Ah oui, il y a des manuscrits. Faudra qu'on puisse stocker les manuscrits aussi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut stocker les manuscrits? Oui, très bien ici. Des sacristies, non, je sais plus. Non, on peut pas les stocker. Oh. À moins qu'il y ait un nouveau bâtiment pour les stocker, je sais pas. Là, je suis pas au courant. On va débloquer une tonnellerie, même si j'en fais rien. Il va me dire produis-moi des tonneaux lui, je sais pas pourquoi je le sens mais gros comme un pâté de maison. J'ai pas de fer de toute façon. On a branlé, on a foutu, pardon. Ah non, j'ai du bonheur. Ouais, pas de problème. Ça j'ai. Le reste j'ai pas. Tiens, je vais faire un mandat avec avec lui, courtiser clergé. Voilà. Là, ça creuse bien, là, ça creuse bien. Ça coupe bien plutôt. Eh ouais, ça coupe même très bien. Même. Nouveaux arrivants, soyez les bienvenus. Au niveau du fromage, ça produit un peu mieux, mais toujours pas assez, hein. C'est fou le nombre de fromageries qu'il va falloir. Est-ce que ma quantité de lait baisse? Ouais, la quantité de lait baisse. Je vais continuer à regarder au niveau de la quantité de lait. On va voir ce que ça donne. Au niveau du stockage des baies, ça donne quoi? Pareil, on va voir. Quel dawa? Oh mes aïeux, quel bazar! Oui, tiens. On va les renvoyer, on va les, enfin, on va les renvoyer. Non, on va les envoyer quelque part. Doivent être entraînés là quand même depuis. J'ai encore un blessé. On était sur du très facile habituellement. On va aller sur.
Sur du facile. Alors on envoie 10. On a des probabilités très élevées. Escorte noble. Préparez vos troupes. On envoie le reste, à part le dernier qui est en train de se reposer. Voilà. Ça c'est réussi. Construire un monastère. Aussi bien des moines que des nonnes. Ok. Déjà fait. Transférer un villageois, hommes et femmes. Voilà. Ils sont contents. 121%. Wow. Alors j'ai une question. Les moines, ils mangent quoi? J'ai pas du tout, mais alors pas du tout pensé à avoir un marché dans le coin. J'ai peut-être oublié un détail. J'ai possiblement oublié ce détail. Apprenti Agonild. Apprenti. Ah, mais c'est leur nom, d'accord. Je suis en train de dire qu'est-ce que c'est que ça. Allez, deux de chaque. Deux moines, deux nonnes. Donc les moines et les nonnes. Oui. Bon, c'est encore un peu en travaux, quoi. Mais c'est sympa, c'est cosy, quoi. Puis au moins, le voisinage est plutôt calme. C'est clair. Y a personne quoi. Mais franchement. Si un jour ils viennent se plaindre du voisin, si un jour ils viennent se plaindre du voisinage, je ne comprends pas. Là, je leur dis au bout d'un moment, arrêtez de sonner les cloches, hein, c'est vous-même qui le faites en plus. Faut pas déconner. J'ai mes réserves de baies qui chutent. Je crois que j'ai vraiment passé en production de baies là. Ah, ça c'est triste. Ça c'est très triste. Je dois débloquer ça et ça là. Ouais. Devoir créer un nouveau village. Bah autant en créer un par là. Hein. Là, c'est centré. Je pourrais mettre deux cueilleurs là, deux cueilleurs là, deux cueilleurs là. Enfin, deux cabanes de cueilleurs. Avec les mineurs ici. Bon, ça coûte cher, je sais pas du tout si au niveau entretien ça va passer. Hein. Mais je vais voir ce qu'il faut au moins. Alors. Extraction, les mecs. Ça va être très simple. Je ne veux plus de forêt à ce niveau-là. Voilà, je veux bien la garder aux d'autres endroits, mais pas à ces niveaux-là. J'ai du mal à le voir en bleu. Hein. Ah, peut-être elle est. Peut-être elle est un peu loin là. Voyons. On va faire le classico classique, puis. Non. Alors déjà, on va commencer par le classico classique.
Atelier de construction, bien au milieu là. Avec autour une bonne zone résidentielle là, comme ça, comme on aime là, en plein milieu, pas trop proche du. Pas trop proche des mines, sinon ils vont pas aimer la blague. Avec un puits, il est où le puits? Je l'ai vu. Voilà, je l'ai vu là. Avec un puits juste à côté. Voilà. C'est où? Oui, je vais faire un marché, mais alors oui, si mieux vaut que je le fasse rapido, le marché quand même. Alors je vais changer de vue parce que là j'y vois que dalle. Le marché est par là. Hop, étal de marché. Un. Deux. On va mettre trois. On va mettre 5 bouffes, ça va être un gros marché. Hein. C'est the marché de ouf quoi. 5 bouffes. Ici. Voilà, avec l'insigne vente de nourriture ici. Étal de marchandises à côté. On fera grandir en cas de besoin hein, le marché, mais pour l'instant, il m'a l'air pas mal. Hein. Marchandises, allez, je vais en mettre 3 à côté des étals de marchandises. Marchandises, c'est. C'est bleu. Et on verra pour le reste ensuite. Marchandises. Ici. Hop là, et oh, le prix du marché, toi. Ah, j'arrive. J'ai failli vous louper, mes amis. J'ai pas passé loin de vous louper. Ouais, je produis plus assez de pain. Je produis plus assez de lait. Beaucoup de choses que je produis plus assez. Oh, il manque 5. Sniff. Bon, après, je vais taxer les mines, hein, les nouvelles mines que je vais pouvoir faire. Donc, c'est pas. Oh, 5 gemmes. Pourquoi pas? Ça c'est pas taxable. Hein. Ah si c'est taxable. Oh j'aime. Hop, le marché, voilà, construction. Et hutte de hutte de cueilleur. Si vous voulez là. Voilà, on va cueillir ce qu'il faut. Bonjour, un autre, s'il vous plaît. Voilà, et deux huttes de cueilleurs, deux. Pam. Pam. Et on va faire ça petit à petit. Alors, un marchand. Deux cents de blé. J'y arriverai pas. C'est pas possible. Déjà, j'ai même pas ce qu'il faut pour stocker 200 de blé. Donc, à partir de là. D'ailleurs, le niveau des fermiers, il augmente. Niveau 2. Ah oui, ils sont encore assez jeunes. Non, ça a été celle-là, la première ferme. Niveau 3, ok. Et là, ils sont au niveau
Niveau 3, 2. Ah ok, d'accord. Non, j'ai fait celle-là en deuxième. Ah, celle-là en dernier, ok. Puis construit, voilà. Hop, et avec la zone, là, des habitations, ça devrait... devrait se faire petit à petit. Mais qu'est-ce donc? Ça reste pas une maison. Magnifique. Magnifique. Et le monastère, il en est d'où là? Parce que oui, on lui a... Oh, on a 200 habitants! Oh, GG à nous. Le monastère, il en est... ouais, ça va doubler le... On est qui se construit petit à petit. Ah, il y a... y a un côté qui a été fini. On va voir ce que ça va donner. Hein. Et on va terminer l'épisode là-dessus bah pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Est-ce que je peux renvoyer mes troupes? Est-ce que j'en ai encore? Oui, on va la renvoyer. Il n'y a pas de choix là. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'or. Il faut envoyer. Hein. Hop, envoyer. Moi, en tout cas, je vous propose de me retrouver dans une semaine tout pile pour le prochain épisode. Je vous remercie de toujours être présent pour suivre l'évolution de ce petit village médiéval. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob.